C'est parti, c'est Nathaniel von Arnstein, je vous souhaite la bienvenue dans les terres d'Arad pour ce quatrième épisode de notre saga. Donc vous voyez, la lune se couche, c'est une des choses que vous voyez. Vous voyez aussi que j'ai maintenant un pack de textures. Je vous mettrai toutes ces informations relatives à ça dans la description de la vidéo. Ah là, j'ai un zombie qui brûle, c'est bien. Alors j'ai aussi un nouveau micro. Alors en principe, vous n'entendez plus le bourdonnement pendant que je parle. Par contre, si je me tais, il est possible qu'il soit revenu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est déjà pas mal. Alors par contre, moi j'ai avec ce nouveau micro l'impression de parler dans une vieille radio toute pourrie. Donc voilà, je vous laisserai me dire si vous préférez cette façon d'enregistrer le son ou si l'autre vous aimiez mieux. Alors, il y a une araignée agressive. Où es-tu, sale bestiole? Liquidage. Ça se dit ça, liquidage? Enfin bref. Donc voilà, alors ça c'est ma petite maison qui veut rien dire. Et qui va nécessiter quelques travaux. Alors notamment déjà agrandir la tranchée pour que les araignées tombent aussi. Donc on va commencer par ça. Enfin elle tombe, elle pourrait remonter, mais ce que je veux c'est qu'elle vienne vers les portes quoi. Alors je fais ça, ensuite on va commencer à couper un peu de bois pour la finir. Et puis on va terrasser tout ce terrain. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Hop. Alors, c'est une première avec ce nouveau micro, je ne sais pas du tout dans quelle mesure on entend le son du jeu ou pas. Je pense que quand je parle, on n'entend pas beaucoup. Mais quand je me tais, on entend un bourdonnement peut-être, alors c'est pas mieux. Donc, moutons, qu'est-ce que vous foutez là, les moutons? Alors, le comité de creeper qui traînait sur la colline hier soir, temps de jeu, hein, on s'entend, il a finalement décidé de venir m'embêter dans la cabane. Eh ben, pas de bol, il est tombé dans une tranchée, ils se sont tous fait dézinguer. Alors, on coupe un peu de bois, c'est la première étape, finir l'abri de jardin qu'on s'est fait. Oui, c'est un abri de jardin, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est vraiment... juste histoire de se planquer la nuit. Et ensuite, on fera l'aller-retour jusqu'à la zone 2. Il faudra que je trouve un nom un peu plus correct que zone 2. Enfin bon, c'est égal. On fera donc un aller-retour jusque là-bas, récupérer mon lit. Je puisse passer des nuits un peu plus tranquille. Surtout plus rapide, ce qui m'éviterait de couper les vidéos. Au moindre coucher de soleil. Voilà, je vais y arriver. Alors, merci encore à tous ceux qui commentent, s'abonnent, disent qu'ils aiment ces vidéos. Moi, je suis très content. On approche des 60 abonnés au moment où j'enregistre, je crois, quelque chose comme ça. C'est tout à fait sympathique. Franchement, pour les petites vidéos comme ça, sans pub de... sans réel pub... non, c'est, je suis assez content. Et puis, je vous remercie beaucoup, alors du coup, ça fait plaisir. Mais il est mastoc, cet arbre. Ensuite donc oui, le pack de texture Albion, je vous mettrai la description, ça je vous l'ai dit. Le micro c'est fait, alors on va pouvoir vraiment commencer cette fois à travailler notre monastère. Comme vous voyez, oui, il y en a qui ont dit que ça allait me demander de creuser beaucoup, alors oui, comme je disais dans les commentaires, oui, ça va me demander de creuser beaucoup, mais pourquoi pas, hein, c'est aussi ça, la vie de Minecraftien, comme dirait l'autre. Comprenne qui pourra. Je peux bien concevoir, vous n'êtes pas tous aussi geeks que moi. Mais... oui, c'est un peu chaud de faire ça. Mais... il est grand, gros, il mastoc cet arbre. Voilà. Hop. Tu disparais maintenant. Ah non, toujours pas, il veut pas. Je serais bien content quand je me serais débarrassé. En plus, ça me fera une pelée de bois. Ah, il a l'air de vouloir commencer à disparaître. On va l'y aider, hein. Voilà, je crois que c'est fait. Ouais, ça a l'air.
Alors, un arbre en moins, une pelle en moins aussi. J'en ai plus, il faudra que je m'en refasse. Donc voilà, après avoir un seul arbre coupé, on peut replanter une forêt. C'est bien. Bon, je récupère tout, on sait jamais. Et puis l'autre côté est tout aussi grand. Alors, on attaque, hein. J'ai plus de 10 minutes pour vous montrer ça. On est tranquillement. Alors après l'exploration, ça va donc être la partie préparation du terrain. Comme je disais, j'ai beaucoup de boulot. On va devoir creuser. On va devoir couper des arbres aussi. Donc en attendant, bah, je vais essayer de commenter ce que je vois, histoire que vous n'entendiez pas trop mon micro bourdonner tout seul. J'envisage également de me mettre au multijoueur pour ceux que ma vie intéresse. Alors, petite coupure de mi-épisode, comme d'habitude. On reprend donc là où on en était. C'est-à-dire à couper un arbre. Voilà, j'ai trouvé où c'était. Oh, il y en a encore deux. Oui, bon, bah, je devrais descendre me faire une hache, mais je ne le fais pas. Cet arbre est bientôt fini, de toute façon. Il faudra pas tarder à redescendre chercher le lit. Je suppose, je sais pas quelle heure il est. Donc, dès que j'ai trouvé la dernière bûche qui coince encore tout, là, par exemple, ça se coupe maintenant. Ça a l'air. Alors, on redescend. Bon, moi, j'ai plus de hache, j'ai plus de pelle. C'est vraiment la joie. Alors ça va, bon, à part ça, je trouve vraiment court, hein. Quart d'heure pour YouTube, c'est vraiment court. Je ferais bien un peu plus avec vous, histoire d'avancer. Mais bon, alors, où est-ce que j'étais? Ah ouais, là. Donc là-bas, j'ai encore du cactus. On va aller le couper direct. Et ensuite, sans trop traîner, alors où est le soleil? Voilà, sans trop traîner, on fait l'aller-retour, récupérer le lit. Je viens d'entendre bêler. Bah, s'il y a des moutons dans le coin, en fait, j'ai même pas besoin d'aller chercher un lit. Ça, c'était une vache. Mouton! Bah, donne-moi un peu de laine, et puis ça réglera la question. J'ai combien de laine? Bah j'ai 3 laines, c'est parfait. J'ai pas besoin d'aller chercher mon lit, je peux m'en faire un. Hein. Ce qui veut dire que, plutôt que encore des allers-retours, vous allez avoir... Vous allez avoir de la construction, c'est-à-dire qu'on va achever cette cabane. Cabane de jardin. Hop, un petit passage. Ça c'est pratique. Voilà, je me suis gouré en plus. Je vais me faire une échelle. Alors, voyez, comme j'ai encastré le coffre et la table de travail dans le sol, ça libère beaucoup de place. J'aime bien l'idée. C'est... Ouais, quand vous avez des petits abris, autant faire ça comme ça. Je vais aussi ajouter un four très bientôt. Et puis, voilà, ce sera déjà pas mal. On sera installé. Alors donc, deux pelles. Non, si je fais pas avec des bâtons, ça ira pas. Donc, deux pelles. Cactus, j'ai pas besoin. Deux haches au moins. Puis deux pioches. Comme ça, j'ai de l'avance. Deux haches et une pioche. Non, deux. Ah, mais ça belle, ça bugle tout ce que ça peut. Alors ensuite, deux pioches et un lit. C'est quoi? C'est trois en bas, je crois. Trois en haut.
Ah bah ça c'est bien. Alors, il y a un petit défaut avec ce pack de textures, je sais pas si vous le voyez. Bah, c'est que le lit a pas de texture. Il n'y a pas d'objet. Pour le lit. Ah bah voilà. Ouais, mais alors il est moche. Hein. Enfin, c'est égal. J'espère que je pose pas dans mon mur, hein, une fois que j'ai fait ça. Alors, j'avais des échelles ensuite. Ça va demander un peu plus de bâtonnets. Voilà, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On y arrive à faire 3 échelles, ça devrait suffire. Hop, où est-ce que je suis? Hop, c'est parfait. Une porte? C'est mieux avec une porte, hein. Une porte. C'est marrant, je parle, je vois même pas le temps passer, je réfléchis à peine à ce que je fais. Bon, ça me changera pas d'habitude. Ouais, bon, bah. Alors, depuis l'extérieur, c'est mieux, on paraît. C'est même pas, il paraît. C'est petit chez moi, hein. C'est très petit chez moi. Hop, bon, ben, je vais me pioter. Je vais me pioter. Voilà qui est fait. Et, suspense, est-ce que je réapparais dans le mur? Non, je ne réapparais pas dans le mur. Parfait. Alors voilà, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Je pense que je vais finir le toit de la maison et tout ça hors caméra. Et puis, ben, je vais aussi me friter ces creepers hors caméra. Et puis, ben, on se revoit pour un prochain épisode. Allez, ciao, salut à tous.